de vous avant votre congé de fin de semaine. On vous accompagne jusqu'au bout de l'après-midi avec, promis, plein de fou rire. Bonjour Laurent Ruquier. On va se gêner. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo. Bravo, Christine. Oui, oui, bravo. Elle nous appartient encore. Ah là là. Isabelle Motreau. Oh là, là, ça va voler haut. Hein. Gérard Miller. Ah oui, oui, moi je l'aime bien, c'est cool. 2 fois par semaine, c'est bien. Titoff. Oh, tout ouais. À l'heure, il est merveilleux. Jérémy Michalak. Eh ben, il progresse, il était... Non, non, il progresse. Il part de loin. Oui. Et le père, Philippe Alfonsi. Oh, alors mon père, vraiment. Avec son... Ah oui, ah, je comprends. Quand il est arrivé, vous avez dit bonjour mon père. Oui. Et effectivement, c'est incroyable. Tu fais très homme Claire d'église. Hein. Ouais. Ouais, c'est absolument. Le Colmao qui fait ça en fait. Magnifique. Surtout quand vous avez sorti votre bite juste avant l'émission. Oh. 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 Fabrice Eboué n'étant pas là, j'ai oui, oui, il faut non, mais c'était peut-être pas vrai. La première minute qui était la meilleure. Vous voyez, on peut laisser un peu chauffer. Ouais, mais ça donne le ton au moins, tu vois, pour la suite. Il faut tout de suite se mettre dans l'ambiance et qu'Isabelle Motreau ne se dépayse pas. Ah oui, parce que sinon, je vais forcément m'ennuyer un peu. Particulièrement lookée, elle aussi, Isabelle. Ah oui, aujourd'hui, je dois dire que Pierre Bénichou, hélas, n'est pas là pour le constater de visu, mais elle est allée chez le coiffeur. Ben non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah bon ? Tu vois, l'œil féminin ne s'y trompe pas. Ah non, non, non. Ah bah alors, dites donc. Alors, non, elle a fait l'amour alors. Je me suis coiffée avant de venir. Ça alors. Eh bien, votre mari est doué de ses mains. Oh, c'est gentil. Je vais lui dire. Manifestement. Quelques mails, évidemment, ont déjà été envoyés par nos auditeurs. Farid, par exemple, qui est chauffeur-livreur. Je travaille sur tout le territoire français. Je passe beaucoup de temps sur les routes. Mais avec vous et votre bande, la route devient tout à coup un plaisir, nous dit Farid. Rien sur Christine. C'est étonnant. Elle est déçue, très déçue. En revanche, Robert nous écrit. C'était juste pour dire à Christine Bravo que si, lors de son direct sur TF1, samedi soir, elle prononce cette phrase. Robert, je te kiffe grave. J'arrêterai de l'importuner. Mieux, je jetterai mon dévolu sur Boubounet parce que j'ai vu ses fesses dans tes tuques. Ça, ça fait rêver la France. Et ça peut le faire. Robert Routier à l'international. Est-ce que vous êtes capable de dire Robert, non, je te kiffe grave. La réponse est non. Pourtant, c'est un petit jeu que nous réclament les auditeurs. Par exemple, Gauthier qui dit bonjour Laurent, j'écoute l'émission en podcast tous les jours. Tout le monde n'est pas sans savoir que Christine sera en direct sur TF1 samedi avec Nikos. Je propose à toute l'équipe de s'entendre sur un mot ou une phrase ou une expression que Christine serait chargée de dire en direct devant des millions de téléspectateurs. Alors, et tous les auditeurs d'Europe 1 seraient ainsi complices pendant la soirée. On en a eu normalement. Tu dois arriver et dire bonjour à Nikos en lui disant salut ma coucouille. Non, t'avais dit. Je veux bien qu'on, qu'on convienne d'un mot. Kangourou, Gérard. Non, ça vous plaît pas? Ah, c'est pas mal, kangourou. Kangourou. Vous pouvez placer kangourou? Placer, mais... oui, je... pense pouvoir placer kangourou. Alors attention, on va regarder. Hein. Les auditeurs d'Europe 1 vont attendre pendant toute l'émission le moment où, alors, comme elle est bonne pour l'audimat, elle va le mettre fin. À 22h. Ah bah oui, je vais vous faire attendre un peu. Georges Choupignon m'écrit, cher Laurent, après les routiers, mercredi, les charcutiers traiteurs, et nous alors, on n'aurait pas le droit aussi d'apprécier Christine Bravo? Son charme, sa beauté, son humour, son intelligence et son naturel méritent mieux que les routiers ou les charcutiers. C'est signé Georges Choupignon, président du FFNA, Fédération Française des Nécrophiles Amateurs. Oh non. Salem, wesh à votre équipe de malades. Je vous écoute depuis la Kabylie. Un Salem spécial pour Christine Bravo ou Madame Bravo. Je suis Madame Bravo, un beau Kabyle d'1m78, moins de 68 kilos, presque que du muscle et surtout TBM. Tout le monde ne peut pas comprendre, mais Joujou comprendra. Le pire, c'est que j'ai compris. TBM, ben. très bon marché. Ouais, c'est ça. C'est quoi? Vous savez pas ce que ça veut dire? TBM? Non. Enfin. Bah, attends, Gérard, vous savez, vous? Ouais. C'est quoi? Allez. Attends, même moi, allez. J'ai compris. Hein. Mais ça, c'est parce que. TBM. Très bien. Très bien, ça, c'est juste. Le très bien, c'est bien. C'est le problème du M. Notre émission, par exemple, est TBM par François Renucci quand elle est diffusée l'après-midi. Voilà. Montée. Voilà. Exactement. Pour info, j'ai un titre de séjour. Donc, je peux venir vous voir quand je veux. Christine, êtes-vous prêt à accueillir un berbère de Rouen?
Mais pourquoi vous occupez tous de ma vie sentimentale là, c'est faux, c'est ça. Quand même, les gens sont étonnés que vous ne connaissiez pas le mot apo. N'a-t-elle jamais lu Gaston Lagaffe, grand amateur de tests en apo? Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ouais. La peau pour attirer les filles, dit Gérard. C'est la carte bleue. Et ça s'appelle la peau des couilles. Oh là là. Merci Isabelle Motreau. En effet, vous avez défendu le palais de la découverte la semaine dernière. Il y a d'ailleurs une soirée porte ouverte une fois par mois. Je fais partie des signataires et défenseurs du palais de la découverte. Heureusement que vous êtes là pour apporter un peu de culture dans cette émission. Bah oui, c'est un peu vrai. Hein. Mais aujourd'hui, c'est bien le palais de la découverte. Aujourd'hui, vous êtes trois, puisque Philippe Alfonsi et Gérard Miller vous aideront évidemment. Ouais. Avant-hier, il y avait Evangélie aussi. Est-ce que je peux juste me permettre de dire quelque chose? Oui. Tiens, voilà une éponge. Tout ce que j'avais à dire. J'avais promis à la classe de CP de Montmorency de dire cette phrase aujourd'hui. Je l'ai dite, j'ai gagné mon pari. Va Nina, c'est le nom de l'auditrice que nous avons désormais en ligne. J'ai cru qu'il avait promis de dire ça, je ne sais qui. Bonjour Vanina. Bonjour. Bon, j'imagine qu'on vous le fait trois fois par jour. Ouais, je m'y attendais en fait. Un petit peu beaucoup. Aigrefeuille-sur-Maine, c'est en Loire-Atlantique, c'est de là où vous appelez. À côté de Nantes. À côté de Nantes. Qu'est-ce que vous faites Tout est à côté de Nantes en Loire-Atlantique en même temps. Qu'est-ce que vous faites à Aigrefeuille-sur-Maine? Je suis assistante d'éducation dans un collège. Je travaille avec des enfants de la 6e à la 3e. Assistante d'éducation dans un collège. Pion. C'est le nouveau statut. Voilà, du pion. Célim, lui, appelle depuis Alfortville. Bonjour, Célim. Bonjour à tous. Ah, ça sonne, Célim, faut décrocher. C'est la valise. C'est RTL pour la valise. Oui. C'est quelqu'un qui t'appelle pour te dire qu'il t'entend à la radio. C'est toi, Célim. Comment ça se fait qu'il y a un autre téléphone comme ça qui sonne à côté de vous? Parce que je suis censé bosser à cette heure. Qu'est-ce que vous faites normalement, alors, Célim? Je suis commercial. Commercial, dans quel domaine? Dans les fruits et légumes. Célim contre Vanina. Attention, le petit message naturel à faire passer aux amis, aux copains ou aux chroniqueurs. Moi, j'ai juste à dire allez l'OM, mais tout le monde comprendra. Ah, voilà, c'est pour Titoff, ça, alors. Ouais, voilà, c'est une petite dédicace. J'avais promis à mes amis parisiens, donc voilà. Ok. Bien joué. Et j'embrasse ma belle-sœur qui vous écoute tous les jours, celle qui m'a fait découvrir votre émission. Donc, je fais un gros bisou à Marie-Michel. Ah bah, salut, voilà. Marie-Michel, pas de problème. Célim? Moi, un petit salut à tous ceux qui écoutent et qui me reconnaîtront. Tous ceux qui achètent des fruits et légumes. Oui, je préférerais pas qu'ils m'entendent, en fait. Pourquoi? Il y a peut-être ton patron qui t'a reconnu, là, et qui sait que tu fous plus rien maintenant. Vous êtes marié, Célim? Non. Ah, bon, pourquoi? Pourquoi? Je le fus. Laurent s'est aperçu que dès que quelqu'un dit quelque chose, on peut dire ensuite pourquoi. Et finalement, ça fait un peu d'occupation à l'autre de répondre à une question. Quoi qu'on dise, on va le faire dans l'émission, tu vas voir, Laurent. Tiens, oui. Vous êtes séparés, en fait, en quelque sorte. Voilà. Pourquoi es-tu pas... c'est salaud, Gérard, parce que... Tu vois, c'est monstrueux ce qu'il vient de faire. Mais quand... C'était un cajon. Oh là là, non. Laurent. Ah non, Laurent. Oh là là. Célim contre Vanina, attention, voici la question. Vous êtes prêts l'un et l'autre? Oui, c'est bon. Monsieur Jacques Millard est député UMP et il vient de déposer un projet de loi, une proposition, puisque quand ça vient de l'Assemblée nationale, on ne dit pas projet, mais proposition de loi. Il vient de déposer une proposition de loi qui vise à rendre obligatoire, quoi donc? Le port du casque en voiture. Non. Mais on n'est pas si loin. Ah, donc c'est lié, c'est lié à l'automobile, donc. Non. Le port de la ceinture en moto. Le port du casque en vélo. Non. La ceinture en moto. Non. C'est lié à la sécurité routière. C'est pour les pieds. La ceinture en moto. Ça c'est bien con. Toi, mais tu vas sur la moto, quoi. Bon, tu te fais mal quand même, hein. Mais. Vous avez vos chances, hein. Moi, tu vas sur la moto. Vanina, Céline, vous avez vos chances. C'est pas pour la laïcité du service public. Non, pas du tout. C'est pour les piétons. De sécurité. Non, c'est un truc de sécurité pour les piétons. Non. En voiture. Non, pas du tout. En moto. Non. En avion. En avion. En métro. Non, non. Le port de quoi, alors d'abord? D'un gilet encore? Non. Le port de la coquille en Vélib? Un dentier? Non, mais vous l'avez dit. La ceinture de sécurité dans les ascenseurs? Le port du casque? Oui. Dans les ascenseurs? En roller, en patin roulette? Non. En vélo, en Vélib? Pour les cavaliers. Pour les cavaliers à cheval, bonne réponse de Célim. Bravo.
c'est déjà... Attends, ce n'est pas obligatoire pour l'instant. Mais le casque, la bombe. Une bombe. Pour l'instant, c'est fortement conseillé, bien sûr, mais ça n'est pas obligatoire. La revue Randonnée à cheval a protesté hier contre cette proposition de loi du député UMP Jacques Myard visant à rendre obligatoire, sous peine d'amende, le port du casque pour les cavaliers. En même temps, si galopes dans la forêt, il n'y a pas des mecs qui vont être planqués partout pour tuer. Ah bah si, justement, il y a une police à cheval maintenant. Avec une bombe. Oui. 4,5 millions de Français pratiquent occasionnellement l'équitation, troisième discipline sportive chez nous, derrière le foot et le tennis. Oui. Je n'aurais pas pensé ça. Oui. C'est des chiffres qui sont parus en février. Et évidemment, ils sont pas tous contents. On les voit d'ailleurs. Il y en a pas tant que ça qui portent une bombe. Ils mettent pas tous un casque. Bah lorsqu'on est un bon cavalier, souvent, c'est plus classe d'être sans bombe. Vous la mettez à la bombe. Vous déjà moi, je la mets. Ouais. Vous êtes trouillard, voilà. Non, mais moi, je suis pas un bon cavalier. J'aime bien du cheval. Oui, je fais du cheval et je mets une bombe. Ça lui est arrivé chez moi. Chez lui, notamment. Voilà. Ouais. J'ai jamais mis une bombe de ma vie. Alors. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ça, c'est le Corse. Le port de la bombe, pour lui, c'est... On la jette, mais on la porte pas. Voilà. C'est drôle. Vous avez trouvé ça où, Selim, sur Internet? Sur Google, mais par contre, il faudrait donner l'orthographe des gens, parce que des milliards, il y en a deux. Ah oui. Oui, c'est plus facile pour tricher. Il y en a un avec L et un avec Y, donc ça a fallu un petit peu de temps. Mais ça fait déjà 2 milliards, c'est pas ce que vous avez gagné, 2 milliards. Hein. Mais dans le filet garni, il y a d'autres choses. Vous voulez savoir quoi? Non. Pourquoi? Alors on vous offre le livre 5 et Laurent, la musique. Et j'aimerais bien que ce soit Isabelle Motreau qui me donne mon lot. Et il veut que ce soit Isabelle Motreau. On recommence. Que ce soit le lot. Alors Isabelle, alors attends, pourquoi vous aimez bien Isabelle? Oui. Ah, pourquoi? Ah, c'est gentil. J'aime beaucoup ses analyses de films et son tempérament. Gentil. Ah, et son temps, elle a du tempérament. Vous le saviez, ça, Céline. Oui. Vous me connaissez, c'est pas possible. Ah, j'aimerais bien. Ah voilà. On va enchaîner pour le moment. Regardez, Céline. Elle est toute rouge. Attention, voici la musique et la douce voix d'Isabelle Motreau pour vous annoncer votre filet garni. Alors, Selim, vive la malbouffe de Christophe Labbé, Jean-Luc Porquet, Olivia Récarel et Vorniak chez Holbert Becker. Non, ça, c'est pas sympa. Non, allez, je reprends la main. Alors, également, Boomerang de Tatiana de René aux éditions Héloïse d'Ormesson. Faut dire, vous avez gagné. Vous avez gagné 5 filles, 3 cadavres, si j'ose dire, c'est d'Andrea Ajap chez Marabout. Ouais. Et puis, Monsieur Wynne de Georges Bernanos aux éditions Le Castor Astral. Yeah, on en parlera tout à l'heure. Alors, 2 places pour Fabrice Eboué au Comedy Club. Il n'est pas là aujourd'hui, vous pourrez le voir sur scène. 2 places pour Pareil, mais en mieux, le one-man show formidable d'Arnaud Ducré jusqu'au 23 mai au point virgule du jeudi au samedi. Et à elle a bien dit Ducré. Et puis, last but not least, 2 places pour Couscous au Lardon, une pièce de Farine Oumi. Conseillé par Fabrice Eboué. À la grande comédie du lundi au samedi à 20h. Ouais. Elle a même improvisé, hein. Ah oui. Ça, c'est je peux vous dire que last but not least, ça n'est pas écrit, ça. Sur la liste. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas vous qui ferez ça demain à TF1. Hein. Christine a pris des notes. C'est marrant qu'une aussi jolie voix soit desservie par un physique aussi ingrat. C'est pour ça que je fais de la radio, Christine. Et pas de la télé comme toi. Bravo, Selim. Et quant à Vanina, on vous embrasse. Ouais, moi aussi. Allez, c'est parti pour la suite d'On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et ses complices. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Toi. Qui a dit cela n'a jamais collé avec Piaf. Elle avait un talent fou, mais elle n'appréciait que les esclaves et ce n'est pas mon emploi. Juliette Gréco. Excellente réponse d'Isabelle Motreau. C'est la journée, Isabelle Motreau. Ah oui. C'est ma fête aujourd'hui. Effectivement, c'est Juliette Gréco qui, à l'occasion de la sortie d'un nouvel album, Éternelle Juliette Gréco,
raconte un peu ce qu'elle a croisé de Boris Vian à Léo Ferré, en passant par Sartre, Prévert, Gainsbourg. Mmh. Charles Dumont. Charles Dumont. Non, Charles Dumont, c'est pour Piaf et les autres. Et elle parle d'Yves Montand aussi. Elle dit qu'elle a une profonde admiration pour le chanteur. Mais elle dit que Yves Montand, l'homme, manquait d'élégance avec les femmes qu'il traitait comme des objets. Elle balance un peu. Mais elle balance, mais le problème, c'est qu'ils sont tous morts. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas grand risque, quoi. Tu vois, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai, ça veut vous dire qu'elle pourrait balancer un peu sur les vivants, quoi. Ouais, voilà, quoi. Là, c'est bah, elle les connaît moins. Ben oui, c'est ça. Ils veulent pas la voir, les vivants. Ah non, alors c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai, parce que Gréco, c'est quand même une des rares bonnes femmes à se remettre un peu en péril, quoi. Parce qu'elle elle chante des chansons de Biolay, de Abdelmalik, de gens comme ça. C'est pas évident, quand même, je trouve. Et là, elle chante même en duo avec Olivia Ruiz, avec aussi Abdelmalik, Miossec, vous l'avez dit, et Maxime Le Forestier, aussi sur son album. Un album que vous avez forcément déjà écouté sur votre MP3. Absolument. Moi, j'adore Juliette Gréco. Ah, j'étais sûr. Non, je la trouve à la fois. C'est une chanteuse authentique en trois mots. Non, pourquoi? Non, c'est une chanteuse qui appartient vraiment à l'histoire d'abord de la deuxième partie du XXe siècle, de Saint-Germain, de la littérature, de la musique. Enfin, non, je la trouve formidable, cette femme. Ouais, Juliette Gréco, nouvel album, et toujours sur scène, alors, quand même le dire. Bien sûr. On peut le dire, elle est plus toute jeune, Juliette, quand même. Non, ça, je crois qu'on l'a compris, puisque là, rien que les gens. Si vous réfléchissez bien, déjà, les gens qui ont connu Sartre, il y en a de moins en moins, parce que le temps passe quand même. Vous une trentaine. Je l'ai connu. Christine Bravo. Je l'ai connu. Ah, moi, je l'ai bien connu. Ouais. Toi, tu ne sais pas pourquoi tu l'as connu. Moi, bah, c'est lui qui m'a fait rentrer à Libération, au journal Libération. Donc, en 1960. Alors, c'était formidable. C'était un type formidable, très sympathique. Quelle carrière, quand même. Sartre l'a fait rentrer à Libération et Nikos à TF1. C'est bon, la boucle. La boucle est bouclée, quoi. Ça, je dois dire. Ça, c'est vrai que c'est drôle. Mais après, voilà. Après ça, tu peux mourir tranquille, c'est bon, quoi. Fais le tour. Une vie pleine de c'est l'évolution de la société, qu'est-ce que c'est tu ce veux que vous dire. C'est uniquement l'évolution de la société, c'est très clair. Hein. Où aurait-on pu voir ensemble Yves Montand, Johnny Hallyday et Catherine Deneuve? Chez Juliette Gréco? Non. Au cinéma? Au cinéma, ça a failli se faire. Ah, c'est un film qui ne s'est pas fait. Un film qui ne s'est pas fait. Voilà, donc on parle aujourd'hui. Un film en 1980 qui aurait et qui devait réunir Johnny Hallyday, Yves Montand et Catherine Deneuve. Godard, qu'est-ce qu'on doit trouver là? Le film. Alors, c'est pas Le Sauvage. Non, parce qu'il s'est fait. Il s'est fait avec d'autres gens ou il s'est pas fait. Donc, si je comprends bien, Laurent, on doit trouver le titre d'un film qui ne s'est pas fait. Donc, on ne sait pas. C'est ça la question. C'est pas idiot ce que vous dites, Tito. Ça m'arrive. Non, parce que comme on en parle aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un truc un peu illogique en général. Est-ce que vous pouvez dire ce que n'a pas dit par exemple Yves Montand dans le film qu'ils n'ont pas tourné? Ouais, mais sauf que Claude Berry, qui avait l'idée de produire ce film avec Yves Montand, Johnny Hallyday et Catherine Deneuve, partait d'une histoire déjà existante. Voilà. Et je vous demande évidemment quel film, quel titre, est-ce que le film aurait porté le titre de l'histoire, aurait réuni Catherine Deneuve, Johnny Hallyday et Yves Montand si Claude Berry était arrivé à ce moment-là? Il y a quelque chose, et on en parle aujourd'hui parce qu'il y a une raison particulière. Oui, bien sûr. Cette émission est une émission d'actualité. Et c'est lié au Festival de Cannes, bien entendu. Pas du tout. Une adaptation d'une œuvre? Oui, évidemment. Qui vient d'être adaptée, justement? Non, pas du tout. Qui va être adaptée, mais avec un autre casting? Non, forcément. Non plus. Est-ce que Johnny jouait son propre rôle? Non, pas du tout. Un roman? C'est un roman? On est compte quand même. Johnny, Montand, Deneuve. Ah, c'est pas mal. Surtout qu'ils ont. Oui. Un roman? C'est un roman? Non, pas du tout. Une pièce de théâtre? Oui, opéra, rock. C'est lié à Starmania. Starmania, bonne réponse d'Isabelle Motreau, Christine Bravo. Starmania. C'est France Gall qui le raconte dans la presse aujourd'hui à l'occasion de la diffusion ce soir de Starmania sur France 2 à 20h35. Une émission qui fête les 30 ans de cette comédie musicale signée Plamondon et Berger. Et France Gall raconte à Thierry Dagg dans Le Parisien aujourd'hui qu'il y avait eu un projet d'adaptation cinématographique que Claude Berry, après avoir vu le spectacle sur scène, avait voulu en faire un film en 1980 avec Johnny Hallyday, avec Yves Montand et Catherine Deneuve. Mais bah voilà, Plamondon et Berger tenaient à ce que ce soit joué par des inconnus, le film. Ils ne voulaient pas de vedettes. Et c'est là que ça a bloqué, évidemment, et que le film ne s'est pas fait. Ça aurait été génial, Johnny chantant quand on arrive en ville. Comme ça aurait été super. Ah, oui, oui.
on arrive en vie. Attends, c'est pire si c'était mon temps, hein, t'imagines. Et Catherine Deneuve dans La Serveuse Automate. Voilà. Bah, je vous signale qu'elle a joué dans des comédies musicales, qu'elle était formidable. C'est pas elle qui chantait. Elle chantait pas. Non, enfin, elle était forte. Elle chantait pas, mais elle dansait, elle bougeait. Oui. Elle bougeait les lèvres. Mais elle bouge encore, vous savez. Je l'ai vue encore. Pas, plus tellement le visage. Hein. Ça a pas bloqué. Ouais. Ça, c'est dégueulasse parce que vous êtes en train de briser une icône pour moi. C'est pas j'aime gentil. Beaucoup. Non, mais ce serait pas une fille. J'ai rien contre elle, mais un jour on était au restaurant Saint-Germain-des-Prés et elle sort sa carte bleue et sa carte bleue ne passe pas. Et donc elle refait deux fois son code et moi je suis à côté et puis je veux faire de l'humour et elle commence à être stressée et je lui dis vous savez, on sait ce que c'est, on est tous passés nous les artistes par des moments où on avait plus beaucoup de pognon et elle m'a dit mais pas du tout, j'ai plein d'argent. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et une autre fois, oh, elle va pas m'aimer là. Une autre fois, je crois que c'était déjà fait. Hein. Ah, là, j'ai croisé. C'est une anecdote assez sympa, quoi, je trouve. Non, moi, foutu, je trouve ça assez touchant, en fait, comme truc. Ouais. C'est incroyable que Catherine Deneuve te réponde ça, comme si vraiment. Mais elle a vraiment dit, marrant, mais pas du tout, je suis pas du tout gênée, j'ai de l'argent sur mon compte et tout. Je dis, mais j'en doute pas, Catherine et tout. Puis un peu plus tard après. Je suis dans une boutique, on achète des fringues et je la vois arriver. Elle prend des fringues et tout, elle arrive à la caisse. Elle avait des grosses lunettes carrées, puis elle les baisse, puis elle dit « Et pour les artistes, vous faites quelque chose ?» Et là, moi, j'ai dit « Ah bah oui, on sait ce que c'est, on a tous été dans une mauvaise passe financière. » Non. Et je te jure. Et voilà. Deneuve descendu par une vieille. Quand on arrive en ville, interprété par Daniel Balavoine. Dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met le feu au building? C'est toujours les honneurs. Alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on arrive en ville, on n'a pas le temps, le temps d'avoir 30 ans. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on peut prendre en attendant. Quand on arrive en ville, on arrive de nulle part. On vit sans domicile, on dort dans des hangars. Le jour, on est tranquille, on passe incognito. Le soir, on change de peau et on frappe au hasard. Alors, préparez-vous pour la bagarre quand on arrive en ville. Quand la ville souterraine est plongée dans le noir, les gens qui s'y promènent ressortent sur des brancards. On agit sans mobile, ça vous paraît bizarre. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir quand on arrive en ville. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps, le temps d'avoir 30 ans. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on veut prendre en attendant. On viendra l'an 2000, on aura 40 ans.
sur Europe 1, on marque une petite page de publicité juste après Laurent Ruquier et ses acolytes. Restez avec nous, à tout de suite. On va gêner se poursuit sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui l'équipe du vendredi, Philippe Alfonsi, Isabelle Motreau ainsi que Christine Bravo, Gérard Miller, Jérémy Michalak et Titoff. Europe 1, on va se gêner. La question qui fâche, c'est la question politique. Dans le Nouvel Observateur, on nous raconte cette semaine que Nicolas Sarkozy, le président de la République, devant des journalistes, a montré quelqu'un en disant « Voilà, quand je serai élu, je serai comme lui. » C'était donc avant qu'il soit président. « Quand je serai élu, je serai comme lui, ignoble avec les faibles et servile avec les puissants. » De qui parlait-il ? Berlusconi ? Non. Ah, de Funès. De Louis de Funès ? C'est dans quoi ? Oui, dans l'aile ou la cuisse ? Non, le grand restaurant. Le grand restaurant. Dans le film Le Grand Restaurant. Bonne réponse d'Isabelle Motreau. C'est vraiment la journée Motreau. Ah ouais, il a réussi. Ce serait le film préféré du président, Le Grand Restaurant, avec Louis de Funès. Ouais. Il joue Monsieur Septime, paraît-il. C'est drôle. Il terrorise ses employés. Ouais. Et il aurait dit, en regardant ce film, quand je serai élu, je serai comme lui. En rigolant, il l'a dit. Évidemment, en rigolant. Ignoble avec les faibles, servile avec les puissants. Laurent, vous savez que le mari de Merkel... Elle ne le supporte pas, Merkel, etc. Son mari ou Sarko ? Non, elle ne supporte pas Sarko. Ah. Elle supporte très bien son mari. Mais Ségolène a envoyé un mot d'excuse. Hein. Pour préparer une réunion entre lui et elle, il lui a offert deux cassettes de films de Louis de Funès. Ah oui, absolument. Enfin, donc vous voyez que c'est absolument. Mais en il lui effet, ressemble un peu. Il lui ressemble étonnamment il et a voilà. Un petit côté. On cherchait à qui il essayait de ressembler, mais ça y est, on le sait maintenant. Mais ce qui est quand même extraordinaire, chaque fois qu'on rapporte ces phrases, c'est qu'on oublie complètement qu'il a beaucoup d'humour, Sarkozy. Je suis désolé dans les phrases ça qu'on est, fait. Toi, alors toi, il y a un problème. Ah mais non, mais moi je. C'est comme l'histoire. C'est comme l'histoire. Je vais te dire, il va rentrer au gouvernement. Si je le sais. C'est comme l'histoire avec. C'est comme. Je ne. Je ne supporte pas la chasse aux loups. Aux sorcières. La chasse aux sorcières, les gens qui hurlent avec les loups. Et c'est comme l'histoire avec Rachida Dati. C'est-à-dire que n'importe qui ici a été à un moment donné ridicule, a bafouillé, a fait des conneries, etc. Ou a fait l'humour du second degré. Là, quand par exemple, dans les phrases qu'on rapportait de Sarkozy qui ont fait scandale, il y en avait une autre qui n'a pas été rapportée parce que tout le monde a compris qu'effectivement elle était quand même drôle. À un moment donné, quelqu'un lui a dit mais vous exagérez ou vous délirez. Il a dit bah oui évidemment je suis dingue, c'est pour ça que j'ai été élu. Si donc vous imaginez cette phrase avait été rapportée telle quelle. Donc c'est insupportable cette société qui rapporte les sociétés. Je prends les paris. Oui, vas-y. D'ici deux mois, on apprend que Gérard Miller a quelque chose dans un ministère. Il a sa carte à l'UMP déjà, on le sait tous. Non, ça non. Tu prends les paris ? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir ? Ou alors il couche avec Stevie. Non, mais vous me faites rire. Dès que moi qui n'arrête pas de dire du mal de ce gouvernement, tu dès te qu'une rappelles fois, pas de ce que tu je fais que tu une as petite dit. Remarque. Mais là, c'est simplement, je ne supporte pas effectivement non, cette société qui n'arrive de pas de pas piquer, le supporter. Tu t'énerves. Qui n'arrête pas parce que c'est une société de flicage absolu. L'histoire avec Dati est insupportable. C'est quoi l'histoire avec Dati ? Bah, ce qui fait la couverture de Libération aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle bafouille, elle déconne, elle rigole. T'as vu les images ? Non, j'ai pas vu les images, j'ai entendu le son. C'est sur la candidature aux européennes où effectivement elle rigole. Quelle importance elle rigole sur le nucléaire, l'énergie, l'électricité. Faut voir qu'elle s'en fout un peu. Quoi. Voilà, elle a l'air de mais pas bien connaître son c'est dossier. C'est pas là-dessus quoi. Qu'on juge les politiques. Mmh. Moi, je me rappelle d'une histoire qui m'avait frappé. C'était à l'époque de Tapie. Tapie, Dieu sait si on peut lui reprocher des choses. Et un jour, il y avait eu un grand titre dans François ou un journal de cette époque-là. Tapie déclare à propos de la police qui venait de perquisitionner, ce sont tous des nazis. Il y avait en grand titre. Tapie traite la police de nazi. Alors qu'on voit bien ce qui s'était passé, qu'à un moment donné, dans une sorte de phrase évidemment excessive, il a dit putain, c'est putain de nazi. Et je ne supporte pas qu'on rapporte les phrases des uns des autres en considérant que c'est des points de vue, des thèses. Non, mais c'est vrai. Mais ça, c'est comme ça pour tout le monde dans toute la presse. Mais c'est juste. Oui, sauf qu'aujourd'hui, ça fait la couverture de Libération. Il se met à défendre Tapie maintenant au passage aussi. Mais non, mais c'est. Où il est malade. Attendez, non, mais quoi ? Où il est malade. Gérard est malade. Il a une maladie grave, on ne sait pas. C'est pour ça que je le prends deux fois par semaine maintenant. Mais c'est pour ça en profiter. Pas, ça. C'est pour non, en profiter. Parce que là, c'est bientôt la fin. C'est qui le prochain qui va défendre ? Il a commencé à défendre Sarkozy. Il enchaîne avec Tapie. Mais qui a rapporté la phrase dans l'Obs ?
Ah, ça, alors écoutez, je ne sais pas. Non, mais je veux dire, c'est à l'occasion de quelque chose ou pourquoi ça sort là en ce moment? La phrase de Sarko sur De Funès, c'est parce que, non, c'est parce qu'on revient évidemment sur les petites phrases de Nicolas Sarkozy suite à toute la polémique la semaine dernière autour de Zapatero et sur sa non-intelligence éventuelle. Heureusement qu'il a dit quand même, je serai comme De Funès dans le grand restaurant. S'il a dit, je serai comme De Funès dans la soupe aux choux, genre j'irai péter dans le jardin pour faire descendre les extraterrestres, ça aurait été plus bizarre. Peut-être vous connaissez le magazine Washingtonian. Ce magazine crée la polémique avec sa une en ce moment. Pour quelle raison que voit-on à la une du Washingtonian? Eh bien, il y a aussi Barack Obama torse nu qui court en short. Ah, c'est un peu plus que ça, faut dire. Barack Obama torse nu qui court en slip. Ouais. Il a une érection. Exactement. Bonne réponse de Christine. Bravo. Oui, mais Obama en érection. Mais moi, je crois pas. C'est comme éboué à la piscine, si tu veux. Est-ce que c'est sûr que c'est une érection? Notre nouveau voisin est canon, c'est le titre du Washingtonian, ce magazine américain qui crée la polémique. Certains disent que on ne devrait pas faire des unes sur le président des États-Unis avec ce genre de photo où on le voit effectivement, il revient de la plage, il est avec un bermuda assez long, mais un bermuda de bain, et manifestement, c'est ce que dit en tout cas la presse, il est à son avantage. Non mais attends, il sort de l'eau et il bande. Ah bah, ça oui, ça arrive à tout le monde ça quand même. Ah bon? Oui. Son maillot de bain noir à l'origine a été coloré en rouge pour faire ressortir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vrai. Mais oui, c'est très bon goût, ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. C'est pareil. Ah mais non, mais là la photo est trop petite. Ah ouais. Ah non, c'est quoi ce truc qui pend là? C'est sa jambe, c'est sa jambe. C'est sa jambe gauche, Christine. Ah oui, merde. Ouais. Parfois on confond. Ouais, Alphonse. Bon, bah, il est bien monté, point, c'est tout. Il est TBM. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah et fais pas ta jalouse, Alphonse. Non, bah, voilà. Oh l'autre, attends, il prend ça de haut, attends, non mais arrête. Gérard met ses lunettes. Alors on va savoir. Non, mais je vais vous dire. Toujours pour aller pisser. Gérard Miller, non, mais je vais vous dire, par rapport à Sarkozy, c'est tout petit. Qui vient de passer sous les 47 secondes? C'est la question suivante. C'est le champion. Bernard. Alain Bernard. Oh, mais alors, ok, d'accord. Au 100 mètres. Bien au 100 mais mètres. Avec une combinaison qui peut être contestée. Avec des nageoires, la combinaison. Qui peut être contestée. La nouvelle combinaison, tout en polyuréthane, effectivement, mais en tout cas, quand même, c'est le premier homme, ça c'est quand même vraiment, on est compte un peu, le premier homme au monde à passer. En dessous des 47. Sur 100 mètres, faut préciser, parce que 47, par exemple, sur 10 mètres, ben, Alphonse le fait depuis des années. C'est Alain Bernard, bonne réponse collective, hein, on va dire. Le veau a moins réussi, lui. C'est un autre nageur, ça. Amaury Le Veau. Bon, forcément, le pauvre, il s'appelle Le Veau. Comment veux-tu qu'il fasse? C'est pas possible. Ah ben, il a été élevé sous la mer, mais dans la piscine, c'est moins bien. L'autre, il a deux prénoms, c'est pas mieux. Je vais me faire rire, ça. Je vais la ressortir à TF1. Ouais. Alain Bernard, quel baraque, lui aussi. Alors, dites donc, c'est assez incroyable, quand même. Mais alors, elles sont pas belles, ces combinaisons qui leur collent comme ça. Alors, vous avez vu la difficulté qu'ils ont à les enfiler. J'ai vu ça à la télé hier. C'est assez. Il faut un chausse-pied quasiment pour rentrer dans la combinaison. Christine. Comme les combinaisons de plongée. C'est sûr que là, t'imagines Obama avec cette combinaison. Dites, j'y pense là pour TF1, faites attention quand même. Vous êtes bien prête pour demain soir, Christine? Je suis concentrée. Faut se méfier parce que vous avez vu la nouvelle animatrice d'M6 là, qui présente la nouvelle star. Je sais pas si vous la regardez encore. Virginie Guillaume. Comment elle s'appelle? Virginie Guillaume. Oui, alors. Ben, elle a des petits défauts, hein, Jérémy. C'est-à-dire qu'on l'a tous critiqué avant de la voir animer les prime time de la nouvelle star. J'étais le seul ici à prendre sa défense. Et j'ai regardé pourtant, mardi dernier, le prime de la nouvelle star. Elle fait un truc qui est insupportable. Elle a un tic verbal, un tic de langage. C'est Christine, je te jure, méfie-toi. Elle dit alors à chacune de ses phrases. Alors, en une émission, elle l'a dit 42 fois. Ouais. Écoutez, je vous jure, c'est vrai. Alors, merci pour eux. Alors, mardi dernier. Alors, ce soir. Alors, Philippe. Alors, pourvu que ça dure. Alors, votre mission. Alors, c'est une spéciale chanson d'amour. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors,
Alors, avant d'accueillir Maître Nadjar. Alors, c'est chiant. Si je comprends bien, pendant que des gens travaillent, il y a des petits branleurs dans ton genre qui sont là et qui, par haine de ne pas être à leur place, notent absolument tous leurs petits travers. Alors, si tu me fais ça, je te mets là. Si tu me fais ça. Ouais. Je te mets la tête dans ton slip, je vais te dire. Non, mais remarque, c'est déjà pas loin. Hein, ouais, si tu veux, ça peut être compliqué. Mais parce que je te la mettre dans le mien. Christine, ce qui est pas bien, tu vois, c'est que si t'avais pas un direct demain, t'aurais jamais pris sa défense, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est dégueulasse dans l'histoire. Alors Jean-Louis Aubert sera en concert, en concert privé Europa ce soir à 23h dans l'émission de Thierry Lecan. N'écoutez pas ça souvent sur la route le vendredi soir. Moi, j'écoute l'émission de Thierry Lecan à 23h. Concert acoustique de Jean-Louis Aubert, extrait de son album Première Prise, On Aime. Pas un sentiment, les baisers donnent l'alphabet, l'amour nous griffe, ouvre ses plaies, l'amour nous soigne, l'amour nous fait, on aime comme on a été aimé. C'est cela nous fait courir, de reproduire et faire grandir ce qui nous a été donné sans jamais pouvoir en parler. On aime comme on a été aimé. Les chiens ne font pas des chats, et que l'on est que ce qu'on connaît, qu'on désire ce qu'on ne connaît pas, un autre chien, un autre chat, on aime comme on a été aimé. Toutes ces secondes tendresse dérobée à l'emporte-pièce, toutes les claques, les maladresses, pour que ça dure, pour que ça cesse, on aime comme on a été aimé. On espère que vous passez une belle après-midi à l'écoute d'Europe 1. On fait tout pour vous satisfaire. Restez avec nous, moins d'une minute trente. Laurent Ruquier revient. À tout de suite. De l'actu, de l'humour, de la satire, c'est la recette dont va gêner. Ça vous plaît, c'est normal, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Qu'est-ce que cet homme de 27 ans a appris en allant à l'hôpital pour se faire opérer d'un pied ? Qu'il avait quelque chose à l'intérieur dans du corps de bizarre ? Non. Il avait deux pieds gauches ? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui concernait son corps ? Il devait être opéré du pied dans un hôpital, il a 27 ans, et là, il a appris qu'il n'avait pas de pied. Non. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Oh, c'est plutôt... Je crois qu'il le savait un peu, quand même. Il avait six doigts de pied ? Non. Est-ce que ça concerne son corps ? Oui.
Et le bas de son corps. Le bas, le haut. C'était un mec. Il croyait qu'il était un homme et c'était une femme. Non, non. Ça concerne sa peau. Il va à l'hôpital pour se faire opérer du pied, à l'hôpital de Tianjin, c'est en Chine, et à cette occasion... Ah oui, mais en Chine. Ah, est-ce que c'est quelque chose qui ne se voit pas? C'est-à-dire qu'il l'a vu si parce qu'il a une analyse. Ah, si ça se voit, mais ça... Ah, ça se voit. Mais il savait pas forcément que... Il savait pas qu'il était jaune. C'est-à-dire? Mais c'est un Chinois et il découvre... Comme il ne se voyait jamais dans la glace. Non, mais n'importe ça quoi. Se voit, il ne le savait pas. C'est bien ça. Ça se voit. Maintenant, mais... il est raciste. Mais il a appris quelque chose de supplémentaire. Sur sa peau? Non. C'est pas quelqu'un qui grandit, qui continue à grandir parce qu'il est très, très grand? C'est pas ça? Ah. Est-ce qu'ils l'ont mesuré? Une maladie, c'est le plus grand, c'est l'homme le plus grand du monde. Il a appris qu'il était l'homme le plus grand du monde. Bonne réponse de Titoff et Jérémy Michalak. Michalak vient faire là-dedans. Je faisais oui de la tête, donc il a peut-être jamais trouvé. Je le vois pas du tout. Le patron, parce que comme je joue, il a pas trop trouvé non, aujourd'hui. C'est pas ça, c'est que l'homme le plus grand du monde. Je vois pas ce que ça me concerne Michalak un peu, vient foutre là-dedans. Mais alors, il fait combien ce que Michalak vient faire dans ce Il fait 2m46. Hein. 2m46. Je vais vous montrer les photos si vous voulez. On connaît cette Zhao, non, c'est pas le même. On peut comparer à Obama ou pas? On le connaissait pas. C'est à l'occasion de sa venue à l'hôpital qu'on a découvert Zhao Lang. Et il va effectivement détrôner Bao Xichun, un autre chinois. Ah, c'est marrant que les hommes les plus grands du monde soient chinois quand même. Bah, c'est comme ça. Et donc il va à l'hôpital pour se faire opérer du pied avec sa maman qui l'accompagne. Hein. Si c'est vrai, c'est 2m40. Elle mesure combien ça va? Je vais vous montrer la photo, on va la voir. Il donne la main à sa maman. Et là, il la met dans sa poche. Et là on le mesure, tu vois, avant de le faire opérer du pied. Parce qu'on est obligé de le mettre dans deux lits bout à bout déjà à l'hôpital, évidemment. Et on met deux lits bout à bout. Et là on dit on va le mesurer. Et on s'aperçoit qu'il mesure 2m46 plus que le recordman actuel. Un autre chinois qui perd donc son titre dans le Guinness Book des records. Tenez, prenez celle-ci, elle est en couleur. Et faites passer la photo. Quand il était jeune, je faisais moi-même ses vêtements, raconte sa maman. Pour se chausser, il est obligé de commander ses chaussures entre le 55 et le 56, parfois au Japon ou aux États-Unis. Il est sportif. Alors j'espère qu'il joue pas au basket pour les autres basketteurs, parce que ça doit être. Ça, c'est fini, là. Ah, quoi? Ah bah c'est fini. Non, mais là, quand ils. Là, des tailles comme ça, là, carrément, ils ont du mal à. Et quand il sort de l'eau? Ah ouais, voilà, c'est par rapport à Obama. Sa maman est très préoccupée parce qu'il n'a pas encore de fiancée. Ah ouais. Ah oui. Il est l'une sur l'autre. Hein. Tu peux pas, c'est pas possible. Non, ce qui est pratique, c'est quand tu auras la télé, il n'a pas besoin de télécommande pour changer les chaînes, tout ça. Juste attendre le bras. Toi, tu penses vraiment au truc de feignasse. Ouais. Le mettre dans son canapé. Il s'assoit, c'est génial, il s'assoit. Il prend un coca, hop, il envoie le bras dans la cuisine, tu vois. Après, il change si la chaîne. Si ça sonne à la porte, il bouge pas, il est de loin. Il dit quand même qu'au quotidien, c'est plus difficile. Ici, là, voilà, que du sur-mesure pour s'habiller. Et quand même, il a trouvé un job dans une troupe artistique qui l'emploie comme joueur de oulouzi, un instrument à vent traditionnel. Qu'est-ce que ça a à voir avec la taille, ça? C'est ça, je comprends pas. Évidemment, il aurait été contorsionniste, ça aurait été louche. Parce que c'est un énorme instrument très haut, peut-être. C'est-à-dire qu'en fait, il joue de la contrebasse dans un orchestre de violon. Ça te voit pas, c'est discret. Non, mais c'est sympa quand même. Ah oui, Joujou, sympa, ne rêvez pas. Ouais, ah, je sais, la nature est mal faite. Allez, c'est comme ça. Repose ces photos, Jérémy. Tu te fais du mal, là. Ça me fait du mal. Bah, tenez, j'ai une question qui va plutôt vous faire plaisir. Qu'est-ce qui a perdu 2 cm et 40 kg en quelques années, en une cinquantaine d'années? Qu'est-ce qui a perdu 2 cm et une quarantaine de kilos en une cinquantaine d'années? C'est un monument? Non. C'est quelque chose de naturel? Non. Sophie Favier? Non. C'est quelqu'un. Ah, elle sera sur mon plateau samedi soir, dans On n'est pas couché. Enfin, c'est un être humain? Elle sera sur ton plateau de balance, vous voulez dire? Ce n'est pas un être humain. Un animal? Non, non, non. Non, c'est pas. C'est une montagne alors. C'est plusieurs choses en général, vous voyez ce que je veux une dire? Une planète? Non. Enfin, non, mais je veux dire ça. Mais ça pourrait être une planète, voilà. Christine. 2 cm et 40 kilos. Ouais. Ouais. Donc c'est pas un c'est pas quelque chose d'énorme. C'est la tendance, c'est inversé depuis quelques années. Bah c'est les Français par exemple. Non, pas les Français. Non, pas les Français. Les Américains. Mais quelque chose que choisissent les Français. Les voitures. Ouais. Bonne réponse d'Isabelle Motreau. Oh là là. Ah, c'est marrant, The ça. Day of Motreau. Ouais, ouais, ouais. Avant, drôle, elles étaient toujours plus grosses, plus puissantes, plus chères. C'est fini. Ouais, ouais. Les voitures vendues en France, désormais, ont perdu 2 cm et 40 kilos. Elles sont en général de 58 cm cubes et font 5 chevaux. C'est une enquête de l'Argus de l'automobile. Des chiffres qui inversent une tendance ininterrompue depuis 1953. Plus ça allait, plus on achetait des grosses voitures, plus on achetait des voitures longues. Et ben maintenant, ça y est, c'est l'inverse. Les voitures, on les achète plus petites. Vous avez une grosse ou une petite voiture, vous, Alfonsi? Non, elle est petite, moi, la mienne. Enfin, elle est moyenne, quoi. Ah ouais? Ouais, après, ça, on va le monter après, quand on parlait d'Obama. Tu vois.
Obama qui a une toute petite voiture, bien sûr. Il a une fuego, je suis sûr. Ah, il a une tête à fuego. C'est important, Christine, la voiture, pour une femme, bah, je dirais, la voiture de l'homme. Je dirais non, a priori, quand j'étais jeune, mais maintenant, avec l'âge... Maintenant, tu cherches le confort, une bonne banquette, oui, voilà, ouais, c'est ça. Tu vois, maintenant, oui, je regarde un peu, ouais. Avant de regarder la bagnole du mec, avant de dire oui. Bah, je regarde... Non, pas avant de dire oui. Avant de dire oui, elle regarde rien. Alors, si je commençais à avoir des exigences avant de dire oui, ben oui, surtout qu'elle, pour j'aurais s'en sortir, rien. Surtout qu'elle utilise beaucoup les transports en commun. Comment ça se passe à TF1? Ils vous payent le taxi, un chauffeur, vous avez... il y a des super moyens. Ah c'est... bah oui, ça, ils me payent le taxi, contrairement à Europe 1 quand je viens. qu'est-ce que je veux dire? Et j'ai aucune consigne en fait. Personne me dit faut pas faire ci, faut pas faire ça. Donc, bah, je vais te le dire, fais pas l'émission. Hein. C'est inquiétant. Non, ils sont tous gentils et tout. À TF1. Ouais. Alors... Mais TF1, je connais pas Monsieur TF1, moi. T'as des producteurs et les producteurs sont sympas, voilà. Ah, vous connaissez pas Monsieur TF1? Ah non. C'est qui les producteurs? Mais il paraît que demain il y aura les patrons. Oh. Il y aura peut-être Nonce. Paolini. Oui. Ah, je crois que tu disais il y a un Sarkozy quand tu parlais des patrons de TF1. Et les enfants qui vont chanter. Ils chantent, les enfants, c'est ça? Ah, les enfants, c'est extraordinaire. Ils vont être bien, les enfants qui vont chanter. Ils sont formidables. Mais petite... tu les as déjà vus? Ouais, bien sûr. Et puis là, j'y vais toute cette fin d'après-midi, là, tout de suite après un repas. Je vais à la Plaine leur parler, les écouter. Mais c'est extraordinaire. C'est bien la Plaine Saint-Denis, c'est joyeux comme endroit. C'est sympa, ah, c'est excellent. Ah, ouais, mais tu vois, après, avec mon cachet, je peux aller aux Caraïbes. À ce point-là, c'est bien, dis donc. Et t'es sûr que c'est pas surprise-surprise? T'es sûr que t'as vraiment... Parce que dans aucun journal, t'as remarqué dans... Nulle part. Nulle part ton nom est cité. Hein. C'est comme pour l'histoire de Sartre. D'ici quelques années, elle dira, oui, j'ai animé une émission de télé. Parce que Sartre, c'est bidon complètement. Bien sûr. C'est pas vous, Gérard, qui animerait une émission sur TF1 demain, croyez-moi. À mon avis, c'est pas moi. Et pourtant... Je serais bien avec les enfants aussi. Hein. Ah oui. Alors, tu chantes l'international, vas-y. Avec ta tête de sadique. Oui, c'est vrai. Ça leur fera peur. Quel genre de chanson ils chantent d'ailleurs? Bah, il y en a une petite fille qui chante Call Me de Blondie. Il y a Naïm. Il y a du rap aussi, mais alors là, je peux pas dire les titres parce que je connais pas. Il y a un petit enfant qui chante Mon amant de Saint-Jean. Oh, ça c'est la chanson préférée de Gérard. Ouais, c'est bon goût. Tenez, je vais pleurer demain. Absolument magnifique. Non, 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 c'est un petit garçon qui s'appelle Louis, il a 11 ans, c'est fabuleux. Et il y a aussi une petite fille qui chante Mistral gagnant. Ah, ouais. Tu sais, je me suis marrée avec le Mistral. Parce que je dis, vous savez ce que c'est qu'un Mistral gagnant? J'ai dit, parce que moi j'en ai mangé des Mistral gagnants. Alors là, ils me disent, non, je dis, trouvez-moi des Mistral gagnants pour le donner à l'enfant. Et donc, ils cherchent le Mistral gagnant, ils trouvent pas, mais je dis, écoute, c'est pas compliqué, c'était un petit sachet de poudre que tu prenais avec une paille. Et je dis, c'est pas compliqué, tu prends la paille, tu mets dans la poudre et tu aspires. Et là, les gens de TF1 m'ont dit, non, ça va pas être possible. Ça va pas le faire. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Philippe Alfonsi, Gérard Miller, Titoff, Jérémy Michalak, Christine Bravo et la reine du jour, Isabelle Motreau. Ah oui. Ah, j'aime quel bien, succès. Moi. Mais Isabelle plaira-t-elle autant à Patrick qu'à notre auditeur de tout à l'heure, Selim? Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Vous habitez Marmande dans Lot-et-Garonne. Tout à fait. Exact. Vous aussi, vous êtes fan d'Isabelle Motreau? Moi je suis fan de Gérard Miller. Ah, vous êtes fan de Gérard Miller, ouais, Patrick? Ouais, j'aime beaucoup Gérard Miller. Tous les goûts sont dans la nature. Mais c'est très gentil. C'est très gentil. Bonjour Elodie, vous êtes lilloise? Bonjour, oui, je suis lilloise. Et qu'est-ce j'ai 28 ans. Vous avez 28 ans, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis assistante logistique chez Roquette Frères. C'est quoi? Roquette Frères, c'est de la salade. Non, c'est pas de la salade. Ils fabriquent de l'amidon et produits dérivés. De l'amidon? Bah, ouais. Assistant, et comment, actuellement c'est... congé maternité. Oh, c'est mignon. Ah, bah ça prouve que votre mari en a pris. Ouais. Et Patrick, merde que c'est le deuxième. Qu'est-ce que vous faites, Patrick, vous? Alors, moi, je me pose des questions. Ah, c'est pour ça que vous aimez Gérard Miller. Pas mal. C'est-à-dire? Mais, depuis le 11 septembre, là, j'arrive pas à gober la thèse officielle du 11 septembre. Ah, vous faites partie des révisionnistes du 11 septembre? Ouais, des conspirationnistes, oui. Mais ouais. Dans la vie, vous faites quoi quand même? Alors, moi, je suis musicien et je viens de sortir un album. Ah, bah voilà. Dites alors, mais vous chantez ou vous êtes musicien?
Ben en fait, je chante, mais je chante mal. Ah, ah je l'adore. Il est très bien, ce garçon. Ok. Mais bon, j'ai des textes qui sont rigolos. Ah, par exemple, vous pourriez nous en faire un, là, maintenant ? Oui, pourquoi pas. Ah, bah tiens. Alors. Un jour, la petite guette. Regarde ton chien, il ne veut pas ta place. Il préfère de loin se faire enculer par le chien des voisins ou se faire caresser par un mec de la CGT. Tu es tout le temps pressé, il paraît que c'est l'époque qui est agitée. Pourtant, les escargots dans ton jardin n'ont pas prévu de se mettre un propulseur dans leur cul. Ah, voilà. Voilà une bonne chanson pour Lara Fabian. C'est sûr que vous préférez pas Titan. Rappelons pour la troisième fois qu'il est fan de Gérard Miller. C'est un copain de Lara. Ah, mais oui. Ça n'est pas de Fabrice. C'est bon, non, non. Gérard Miller. Moi, j'adore. J'adore nos auditeurs parce qu'ils sont surprenants, vous voyez. Parce que là, le chien qui se fait enculer par le voisin, on n'y a jamais pensé. On n'a pas des auditeurs comme CGT, hein, il faut quand même. Vous voyez, Christine, en direct, ça, ce serait bien. Hein. Patrick, vous n'avez pas du mal à dire kangourou. Hein. Patrick, vous n'auriez pas des enfants qui pourraient participer à une émission demain soir? Maintenant, j'ai plus de télé depuis deux mois, j'ai plus de télé. À la place, j'ai mis la panière à chat. Vous nous avez bien fait rire, en tout cas, Patrick. Il est très bien, ce garçon. Sûr, vous préférez pas Titeuf. Élodie, vous allez avoir du boulot, hein. Ah oui. Ouais. Ah ouais, je crois bien, ouais. Attention, Lille contre Marmande. C'est pas Interville, c'est le deuxième challenge du jour. Et je vous demande quel problème connaît actuellement le président Lugo. C'est dans quel pays? Ah bah, il faut tout que je vous dise. Attends, c'est un président, en Afrique. C'est un président de pays ou c'est un président de société? C'est un président de pays. En Afrique. Amérique du Sud. Amérique du Sud. Ouais, Fernando Lugo. Du Paraguay, bon. Bravo. Paraguay. Ah, quel problème connaît-il? C'est un rapport avec les États-Unis, avec Obama ou pas? Non. Avec la drogue? Avec Chavez? Non, non. Avec Chavez? Non. Cuba? Non. Là, vous allez trouver sur Google si vous allez vite, les amis. Hein. Mais oui. Alors, c'est logo, un problème logo, rigolo. C'est pas de pétrole, c'est pas léger. Une question de pétrole. Ah bah, c'est embêtant pour. Pardon? Moi, je suis tombé sur logo. Non, c'est pas non. Apparemment, il y a un problème avec ces élections, non? Ah non, non. C'est après une histoire de mœurs. Lugo, vous l'écrivez comment, Laurent? Le président Lugo. Fernando Lugo. Lugo, si vous préférez. Lugo. On ne parle que de ça au Paraguay en ce moment. Est-ce que c'est un problème grave? Grave. Non, c'est un problème de médical, peut-être. C'est quand même pas très bon pour sa réputation. C'est une histoire de mœurs. Il a eu des enfants illégitimes, non? Ouais, ça, d'accord, mais avec qui? Avec Albert de Monaco. Avec Albert de Monaco. Mais c'est pas ça le problème. Parce qu'avoir des enfants illégitimes ou avoir des enfants, bon, d'accord. Avec quelqu'un, avec une bonne sœur. Ben, non, mais... Il les a noyés? Qu'est-ce qu'il y a de sa famille, avec sa cousine? Qu'est-ce que vous oubliez de dire, là, quand même, Élodie? Vous êtes tout près de la bonne réponse, je vous l'accorde, mais il manque un détail, quand même. Oui. Est-ce que c'est lié à la caractéristique de sa présidence? Oui, c'est-à-dire? C'est pas un président comme tous les autres. Alors, c'est pas avec sa femme qu'il a eu un enfant. Il a dit qu'il était gay. C'est un président évêque. C'est-à-dire? Eh ben, il est ecclésiastique et on lui prête des enfants. C'est-à-dire que le président Lugo, avant d'être élu, était évêque. Hein. Bonne réponse de Gérard Miller. Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai attendu parce que je voulais que mon fan gagne, mais bon, il y a un moment où quand même, je suis obligé de jouer le jeu. Eh oui, c'est un ex-évêque, le président Lugo. Il est ex ou il est toujours évêque? Non, mais il était évêque quand il était candidat à la présidence. Il est resté évêque. Oui, mais il a eu les enfants quand il était évêque. Exactement, c'est ça le problème. C'est que petit à petit, là, sous sa présidence, il y a des enfants qui ressortent au fur et à mesure. Il y en a eu un premier, et là, bon, il a reconnu qu'il était le père. Voilà, puisque... Ah, c'est génial, au moins il n'était pas pédophile, c'est déjà pas mal. Fernando. Je sais que c'est anticléricalisme. Il s'habille comme un curé et après il est critique. Ouais. Lorsque la première demande en paternité a surgi, soucieux de désamorcer le scandale, Fernando Lugo a surpris l'opinion publique en déclarant que le premier enfant, Guillermo, était bien le fruit de sa relation avec Viviana Carrillo quand il était évêque de San Pedro, la région la plus défavorisée du Paraguay. La confession du président a alors provoqué une chute de sa popularité, parce que quand même ça la fout mal pour un évêque, hein, alors qu'il était au zénith un an après son élection historique. Sauf que, depuis, il y a deux autres femmes qui arrivent avec leurs enfants et qui disent, ben nous aussi on a un enfant du président évêque. Voilà le scandale paraguayen du moment, le scandale qu'il y a autour du président Lugo. On vous a laissé suffisamment de temps, hein, Élodie et Patrick. Non, quand oui. même. Moi je suis hyper content parce que c'est mon préféré qui a gagné, c'est Gérard. Ben voilà, vous êtes fan de Gérard, Gérard a gagné, il vous a laissé un peu de temps, hein, quand même. Hein. Bah ouais. Ouais, ouais. Ça serait bien de venir consulter chez Gérard, peut-être, Patrick, un jour. Bah écoute, moi je voulais gagner l'auditrice. Est-ce que c'est possible de gagner l'auditrice? Bien sûr. On va t'envoyer Élodie. Il est bien, le Marmande. Avec plaisir. Bon paquet, là, hein. Élodie, est-ce que vous êtes d'accord pour aller à Marmande?
Bah oui, mais il faudra un gros paquet parce que j'ai pas encore accouché. Un gros paquet, oui, c'est vrai. Vous avez un gros paquet. Excusez-moi, j'en veux pas. Excusez-moi, je me suis trompé. À propos du Paraguay, il y a une blague évidemment qui court évidemment sur le président Lugo qui a été élu il y a un peu plus d'un an maintenant. On dit en fait que s'il a été élu, c'est parce que tous ses enfants ont voté pour lui. Allez, on vous remercie et on vous applaudit, Élodie et Patrick. Philippe Alfonsi, Christine Bravo, Gérard Miller, Jérémy Michalak, Isabelle Motreau et Titoff s'amusent sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question, 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Oh là. Qu'est-ce que Jeanne Augier, 86 ans, qui vient de mourir, a légué à des associations dévouées à la cause animale et dont elle était évidemment propriétaire? Des croquettes? Non. Attention, un objet d'art, une sculpture, un animal, un chien, une voiture, un livre. Très connu. Un scénario? Non. C'est de l'immobilier aussi, hein. La Tour Eiffel? Non. Un monument? Non. Un château? Non. Un truc qui se visite? Oh, en tout cas, vous pouvez y aller. L'Arc de Triomphe? Non. Essayez de trouver l'endroit, c'est à peut-être. Paris? C'est pas Paris. C'est en banlieue? Oh, on est des cons. Oh non, non. Ah, vous êtes des cons, hein. 24 secondes, là, franchement, je trouve que vous exagérez. Oh, le Mont-Saint-Michel? C'est l'aigle, le Mont-Saint-Michel. C'est en France. Allez, parce que c'est vous, hein. Je vous redonne 24 secondes, ça fera 48. Une petite précision de plus. C'est en France, à Marseille. Gérard Miller, vous arrêtez Je vois pas comment je pourrais trouver sur Internet. À Marseille, dans la Loire. Il est là sur son iPhone à chercher des bonnes réponses. Un château de la Loire, oui. Non, c'est en France. C'est en France. En Alsace, non. En Normandie, en non. Bretagne, non. Un parc d'attractions. Dans le sud. Encore. Dans le sud. Dans les Pyrénées. Non. Un parc d'attractions? Non. À Nice. Le Carlton? Non. Non. Ah non, c'est le Martinez? Non. Non, le Negresco. Le carnaval? L'hôtel Negresco, bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah oui, le Carlton, il est à Cannes. Eh oui. Ah. Jeanne Augier, 86 ans, propriétaire du Negresco. Il est en ligne. L'hôtel, non, pas mal. Elle vient de mourir. Bah dis donc, le direct demain, ça. Génial, ça va coûter cher, là, si on appelle là-haut. Elle est con, quoi. On a en ligne son chien, là. Et elle lègue ça à une association pour voilà, les alors animaux. Ça semble, ça va devenir un chenil, le Negresco. Maintenant, il n'y aura plus personne que des animaux dans l'hôtel. Voilà, elle lègue le Negresco à des associations dévouées à la cause animale, ainsi que deux appartements du Georges V à Paris, des sociétés immobilières, et une villa. Bah, elle devait être assez riche. Hein. Ouais, c'est un vieil hôtel, hein, le Negresco, à Nice. C'est un peu rococo, même. Bon, ça, c'est scandaleux. C'est formidable, non, tu mais veux dire. Je ne suis pas contre le fait qu'on aide les animaux. On fait ce qu'on veut avec son pognon, tu feras ce que tu veux avec le tien. Je trouve ça tellement dommage. Mais quoi. Non, c'est pas dommage. Je suis désolée, des vétérinaires sans frontières qui vont au tiers-monde. Non, mais c'est pas ça, c'est ceux qui ont des associations pour sauver les animaux. Surtout, maintenant qu'ils ont récupéré ça, ils vont arrêter de les associations, surtout. Quoi. Mais non. Tu sauves des animaux, tu sauves des hommes. Ils vont passer à autre chose, quoi. Ouais. Ils ont un super hôtel et tout, les animaux, ils en ont plus rien à foutre. Ouais, c'est ça. c'est ça le problème. T'as raison. T'es là de t'occuper de 15 clébards dans un refuge, tu hérites du Negresco, à mon avis, tu deviens hôtelier. Oui, absolument. Alors j'ai réservé la suite Rintintin pour l'été. Alors je ne sais pas si parmi les disparus de la semaine, ils ont légué un testament avec un lourd patrimoine, mais parmi les disparus, il y a Philippe Nico, comédien, aussi un homme politique. Yvon Bourges. Yvon Bourges. Ouais. Dont le nom me disait vaguement quelque chose. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Mais c'est dont on n'entendait absolument plus parler. Hein. Deux seconds rôles, l'un de la politique, l'autre du spectacle, qui ont eu tous les deux une très longue et belle carrière. Mais voilà, ils n'ont jamais été en haut de l'affiche, ils n'ont jamais été au premier plan. Yvon Bourges, c'était un... Il a surtout laissé le souvenir d'un grand commis de l'État. C'est un gaulliste de base. Il a été, je ne sais combien de fois, ministre. Il a été ministre de Gaulle, il a été ministre de Pompidou, il a été ministre de Giscard d'Estaing. Et pourtant, voyez, un nom, vous venez de le dire, qui vous dit vaguement quelque chose. À part les auditeurs qui habitent Dinard, peut-être. Oui, alors oui, c'est vrai qu'il a... Alors, vous savez que c'est un homme du Midi, en plus, mais il a été faire sa carrière en Bretagne, c'est vrai. Mais il a été... Là où il a été le plus longtemps ministre, c'est ministre de la Défense.
France. Alors, ce qui est tout à fait normal, là, pour un gaulliste de base, c'était vraiment le gaulliste de base, discipliné, un homme d'ordre, qui aimait l'uniforme. Donc, il a été à la Défense pendant très longtemps, sous Giscard. Une chose à son actif, quand même, cet homme-là, en dehors d'avoir été un grand commis de l'État, hein, et d'avoir fait plein de choses dans l'ombre, il a été haut commissaire, en Afrique équatoriale, dans les années 50, et il a assez activement, je dois dire, préparé la décolonisation qu'il avait senti venir, et qu'en effet, son grand homme, De Gaulle, a réalisé après 1958. Eh bien, pour Philippe Nicot, c'est même topo. Hein, alors, lui, comédien, Philippe Nicot, on a parlé un peu cette semaine même déjà. Même topo, hein, c'est un des jeunes premiers des années 50-60, parmi lesquels, en effet, les grands réalisateurs viennent faire leur marché pour les seconds rôles. Et alors, il a tourné dans une quarantaine de films. On l'a vu aux côtés de Brigitte Bardot, de Jeanne Moreau, etc. Mais bon, c'est vrai que c'est un garçon sur qui tout le monde a vu son visage, mais tout le monde ne met pas un nom sur ce visage. Bah oui, bah voilà, c'était Philippe Nicot. Mais il a surtout été connu en 63 parce qu'il a été la vedette, et c'est la seule fois de sa vie où il a été vraiment une vedette, d'un feuilleton, du premier grand feuilleton policier à la télévision, qui s'appelait, je crois, l'inspecteur Leclerc mène l'enquête. Après, il a fait beaucoup de théâtre. Simplement, juste une chose, en 53, il a épousé une jeune première qui est très très jolie, qui s'appelait Christine Carrère, et qui est morte l'année dernière. Enfin, d'ailleurs. Il ne s'en est jamais remis. Et on peut dire qu'à 82 ans, eh ben, Philippe Nicot est mort d'amour. Oh, c'est joli. C'est joli. C'est joli. Voilà. Le rire, c'est pas beau, quoi. La mort, elle a pas de cœur, de toute façon. Mais non. La mort, l'amour. Moi, je préfère rester vivante et avoir personne qui m'aime que mourir. Mais non, en parlant de ça, vous savez, c'est très jolie phrase. Vous savez, le type qui a écrit le livre sur la Comora, là, sur la, qui est pour son, Roberto Saviano. Saviano. Son dernier bouquin s'appelle Le contraire de la vie. Et c'est pour ça que je pensais à ça. Non, le magnifique. Non, pas de la vie. Le contraire de la mort. Le contraire de la mort. Et vous savez pourquoi? Le contraire de la mort. Et il a donné la définition l'autre soir. La contraire de la mort, c'est l'amour. Ça n'est pas la vie, c'est l'amour. Évidemment, je le rappellerai sur le plateau N'en est pas couché samedi soir, ouais. Puisque nous avons la chance de recevoir Roberto Saviano, l'auteur de Gomorra, à l'occasion de la sortie de ce livre. Avec ses gorilles. Peux le dire maintenant, parce que l'émission a été enregistrée hier soir, ouais, évidemment. Vivant. Mais on ne pouvait évidemment pas dire avant qu'il viendrait sur le plateau, puisqu'il est arrivé avec une protection policière que vous ne pouvez pas imaginer, puisque vous savez qu'il est menacé de mort par la mafia napolitaine, la Camorra. Et il continue évidemment dans ce livre... effectivement, le contraire de la mort, qui est l'amour. Il continue à parler, évidemment, de ces scènes de la vie napolitaine qui sont étonnantes. Moi, j'ai lu le livre. C'est un très, très joli livre avec deux nouvelles à l'intérieur. Une qui s'appelle formidable. Le contraire de la mort et l'autre qui s'appelle La bague. Voilà. Un peu de musique sur Europe 1 avec Diana Krall, The Boy from Ipanema. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes, each girl he passes goes, ah. When he walks, it's like a samba that swings so cool and sways so gentle, that when he passes, each girl he passes goes, walking, and when he passes, I smile, but he doesn't see. No, he doesn't see. He doesn't see me. Thank you.
to the sea. He looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes I smile, but he doesn't see. He just doesn't see. He just doesn't see. On en profite jusqu'au bout. Belle après-midi ensoleillée à l'écoute d'Europe 1. On va marquer une nouvelle pause. On se retrouve évidemment juste après avec Laurent Ruquier, ses acolytes et moi. Je vous dis à tout de suite. C'est un peu la Dream Team sur Europe 1 ce vendredi. Philippe Alfonsi, Christine Bravo, Gérard Miller, Jérémy Michalak, Isabelle Motreau et Titoff entoure notre très cher Laurent Ruquier sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut Serge. Ah, là vous avez fait un sujet tabou en chanson qui va énormément plaire à Gérard Miller, comme si vous saviez qu'il serait encore là aujourd'hui, puisque non, c'est sur la lutte des classes, le prolétariat, le patronat en chanson. C'est qu'en ce moment on parle beaucoup du dialogue social très difficile et des violences faites aussi bien aux ouvriers, violences économiques qu'aux violences parfois physiques, ou en tout cas de séquestration faites au patron. Alors que c'est la polémique du moment, on le sait Gérard. Bien sûr, bien sûr. Et vous, vous traitez de tout ça en chanson, Serge. Oui, il était temps de se rendre compte qu'elle existait encore, cette lutte des classes. Je vous ai fait un choix assez éclectique. Sylvie Vartan, qui chante une chanson qui s'appelle « Lorsqu'on est ouvrière ». Vous voyez, c'est pas vrai. C'est issu d'un show, je suppose. Une chanson du 19e siècle, chanson ouvrière du 19e siècle. Michel Bernard, fille d'ouvrier, vous allez voir, c'est pas piqué des vers. Il y a quelques sketchs aussi, il y a aussi quelques déclarations. Et puis, évidemment, une chanson de Michel Fugain et de Sanseverino. Les ouvriers, ça s'appelle, c'était bien vu. Il est interdit d'arrêter de travailler, il est interdit de parler et de chanter, il est interdit de lever le nez de la journée. Lorsque l'on est ouvrière, ouvrière en atelier, le règlement est sévère et l'on doit s'y conformer. Si on était millionnaire, ce serait la liberté, mais on est des ouvrières, ouvrières en atelier. À 15 ans, ça rentrera à l'usine quand ces girons. Du matin au soir, sa turbine, cher patron. On ne travaille pas assez, on passe son temps en vacances. Attendez, il y a 4, 5, 6 semaines de vacances, le RTT, le machin, le truc, on ne travaille plus. Ils ont enfin l'insolence des nobles et des richards. Les patrons, c'est comme les cochons, ça ne mérite que la pendaison. Ce sont des gens sans foi ni loi, des mouches amères de qu'on abat. Les profiteurs vautrés dans la richesse privent de pain l'ouvrier affamé. Contre les richards et les plutocrates, contre les rois, contre les trônes pourris, frères aux armes pour notre lutte, pour la victoire de tous les travailleurs. C'était un vrai patron. Il disait, aujourd'hui, même les ouvriers ont leur voiture. Supprimez la voiture aux ouvriers, vous roulerez. J'aurai mon avenir assuré. J'inventerai plus de Carmagnol qu'avec l'accord de l'Élysée. En glorifiant à plein régime l'Europe des super patrons. De république en république, toujours cocu, toujours content, on applaudit les bons truands, au ventre rond, au ventre blanc, qui nous revendent les cerises qu'avait rêvé Monsieur Clément. Vous apprendrez, mes chers ouvriers, que lorsqu'on attrape un voleur, on le met dans une prison, et pour le punir d'avoir mal fait, on l'empêche de travailler. Vous, vous avez la chance de pouvoir vous distraire. On n'a pas voté pour travailler plus, pour gagner plus. Ceux pour qui on bossait nous ont bien baisé. C'est compris, merci, c'est pas compliqué. Dans la sidérurgie, on passera pas notre vie.
C'est San Severino qui bouclait la boucle sur la lutte des classes. Gérard Miller a la larme à l'œil. Vous savez, Serge, parce qu'il avait entendu la Varsovienne. Ah bah, la Varsovienne, c'est la plus belle. Alors, c'est laquelle, la Varsovienne? C'est la chanson populaire polonaise, devenue l'hymne des révolutionnaires russes en 1905, qui était juste avant Jean Ferrat, quand on n'interdira plus mes chansons. Et ça permet aussi, ce quiz de Serge Liadeau, de réentendre la superbe chanson de Michel Fugain, Les cerises de Monsieur Clément. Belle. Hein, très beau. Vous avez entendu aussi le drapeau rouge hardi camarade, Gérard. Hardi, oui, absolument. Bon, il y avait des trous, il n'y avait pas prenez garde, vous les bourgeois, les sabreurs, les gavés, et les curés, v'là la jeune garde, v'là la jeune garde. Ça marche moins, là. Qui descend sur le pavé, sur le pavé. Il y avait beaucoup d'autres. Hein. J'allais pas faire l'anthologie. Nous sommes les nouveaux partisans. Et cette chanson, tu préfères la chanter dans ton hôtel particulier à Paris ou dans ta maison secondaire? Ah là 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 là. Et le public applaudit cette démagogie-là. Je pense que Gérard Miller projette secrètement de séquestrer Alexandre Bompard, moi. Oui, je me suis posé la question. Tu crois que ça serait possible? Ah bah oui, hein. À la campagne, il viendrait, hein, non, une semaine séquestrer. Je le séquestrerais bien, moi. Hein. Vous avez moi noté... aussi. Vous avez noté aussi une déclaration de Serge Dassault qui était quand même pas piqué les verres. Ah, c'était hein. Serge Dassault. Ouais. On ne travaille pas assez, on passe son temps en vacances, les RTT, tout ça. Oui, mais il avait été provoqué par le journaliste Jean-Marc Sylvestre, oh, communiste notoire. C'est la gauche extrême, là. Puisqu'il était interviewé sur LCI par Jean-Marc Sylvestre, alors faut comprendre en même temps. Non, Serge, vous êtes injuste, je trouve. Alors là, un petit jeu, vite fait, avant de partir. Oh là là, une petite devinette. Devinez qui chante. Je vous assure que quand mon ami Richard Lornac m'a envoyé ça, j'ai séché, j'ai pas trouvé tout de suite. Voyons qui chante. Si écoutez bien, qui chante. La tactique du gendarme. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Attention, allez, pas de discussion. Allez, allez, exécution. Allez, allez, on connaît le métier. La tactique du gendarme, c'est de. On connaît la voix. Oui. Mais c'est pas un chanteur en fait. C'est Claude François. Non. Si, si, remettez juste un peu. Même. Ah, si, aidé par Drucker. On reconnaît bien la voix de Claude François. Mais il y avait Drucker. Bah, Drucker qui le lance. Bah, oui, Drucker l'aide un peu. Ça devait être, j'imagine, dans une émission d'RTL qui s'appelait La Grande Parade. Sans doute. La tagad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 adag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 ad
voilà, son meilleur livre. Donc, et lui-même disait, Bernanos, parce que je me suis un peu renseigné, dit, c'est ce que j'ai fait de mieux, c'est ce que j'ai écrit de mieux, etc. Ah, oh bah, tu t'es vachement renseigné, c'est écrit derrière. Oui, oui, non, mais j'ai lu sur Internet des interviews de Bernanos dans lesquelles il parle du temps qu'il a passé à écrire Monsieur Oui. Ah, mais là, c'est écrit, c'est vrai, je veux bien être condamné aux travaux forcés, mais qu'on me laisse libre de rêver ce bouquin en paix. Alors, écoutez, moi, je suis désolée, je ne comprends pas. Et effectivement, on a l'impression qu'il se déroule quelque chose, mais on voit raconte pas. De quoi ça parle. Alors, ça parle, écoute, je suis allée pas au-delà de la page 50, hein, je l'ai dit. C'est une enquête policière. C'est une enquête policière autour d'une espèce d'un meurtre, ou en tout cas d'une disparition. Et puis, voilà, alors on voit... Un crime non élucidé. Interviennent plusieurs personnages auxquels on s'attache successivement. Alors, effectivement... alors, on s'attache dans le livre, mais en tant que lecteur, c'est vrai, pas tellement. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'en même temps, c'est très beau. C'est-à-dire qu'il y a des passages vraiment très beau, sauf que c'est comme si c'était des poèmes, quoi. Philippe Alfonsi. Je peux vous rappeler d'abord qui était Bernanos. Allez-y. Rapidement, ah, oui. Comme ça pour profitez-en, il est personnage, mort. Oui. Parce que bon, Bernanos, c'est un type qui part de l'extrême droite. Hein. C'est un camelot du roi, royaliste, catholique, complètement obsédé par le problème du mal qui est au centre de ce bouquin là dont on va parler maintenant. C'est toujours le mal. Hein. Il a le sous le soleil de Satan, journal d'un curé de campagne. Ça, c'est toujours des histoires de catholiques et le mal confronté au mal. Ça, c'est une de plus. Et ce type part de l'extrême droite, et au fur et à mesure de la montée des périls, il change. Il a le courage formidable, alors qu'il commence par soutenir Franco, par exemple, au début de la guerre d'Espagne, d'écrire Les grands cimetières sous la lune, qui est un bouquin formidable, là, que je vous recommande, où il dénonce très très violemment le franquisme. Les grands cimetières sous la lune. Attention, et le clergé et les catholiques espagnols qui sont alliés à Franco. Donc c'est un type plutôt pas mal, hein, je veux dire. Bon, on lui fait notamment un faux procès, par exemple, sur l'antisémitisme. On dit, et d'ailleurs je crois que Benichou l'a dit ici même, qu'il avait dit un jour l'antisémitisme a été déshonoré par Hitler. Il a jamais dit ça, jamais. J'ai été justement le vérifier. Il a dit l'antisémitisme est un mot qui me fait de plus en plus horreur et qui a été définitivement déshonoré par Hitler. Et qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Ce bouquin, c'est un bouquin en effet qui n'est sans doute pas son meilleur, parce qu'en effet, c'est un auteur populaire à son époque. Hein. Qu'est-ce qui cloche dans ce bouquin? C'est très clair, c'est un bouquin qui a vieilli, épouvantablement vieilli, remarquablement bien écrit, elle a raison de le dire, extraordinairement bien écrit, mais alors il y a quelque chose qui sonne très faux, c'est les dialogues. Quand il fait parler cet enfant qui est au centre du livre, ça sonne, c'est épouvantable. On peut pas lire ça aujourd'hui. Ouais, on peut plus lire. Il y a que l'eau qui est passé par là. Oui, mais voilà, tu vois, je veux dire, c'est plus possible. On peut plus écrire comme ça. Non. Il fait parler un enfant comme un homme de 60 ans. Ouais. C'est pas possible. Bon, alors écoutez, je sais pas si c'était une bonne idée de rééditer Monsieur Wynne, mais après tout, pourquoi pas. Un livre à mettre dans sa bibliothèque sans le lire. J'adore le regard de Titoff chaque fois qu'on parle d'un livre. C'est-à-dire il y a des livres. Non, mais sérieusement, il y a des livres chez toi parce que tu as l'air de comme un poisson devant une pomme, enfin, ou un couteau. Tu te dis, mais quel est cet objet dont régulièrement le vendredi on parle, alors, tu vois, qui ne se mange pas comme les chips. Les gens qui écoutent l'émission depuis tout à l'heure, le problème là, de ce que tu viens de faire, c'est que comme je t'ai vanné tout à l'heure et que tu as très mal pris la vanne, tout à l'heure, tu attends un truc pour me chambrer à nouveau. Tu sais que je t'aime bien et tu sais quoi, je pense que j'ai lu plus que ce que tu peux penser. Vraiment. Ça que ce qu'il peut penser, c'est sûr. Vraiment, non. Mais tu vois, bon... L'humour parfois c'est de faire comme si on avait paraître moins cultivé que ce que l'on est. Et ça tu réussis bien, ouais. Comme souvent des gens essaient de se faire paraître plus cultivés qu'ils ne le sont. C'est vrai. Ah, ça c'est pas mal. C'est vrai. C'est deux façons de vivre et deux façons d'être différentes. Tu sais, tu as un petit côté assez énervant à rabaisser l'autre. Ah, oui. Oh là là. Quand tout à l'heure tu as dit vous dites allongez-vous sur le divan. Ouais. Quand tout à l'heure tu as péroré avec ta rencontre avec Sartre en disant toi c'est pas vrai, je t'ai même pas relevé parce que je m'en fous. Mais c'est vrai que t'as un petit côté assez c'est pas faux. Tu n'es pas bon dans la vengeance par contre vraiment. Et même moi tout à l'heure quand tout le monde va ressortir ses dossiers, tu sais. Allez, une chanson inoubliable sur Europe 1, Unchained Melody par les White House Brothers. Thank you.
need your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Vous laisser en profiter jusqu'au bout. Quel plaisir d'écouter des standards de la soul music les après-midi sur Europe 1. On va retrouver évidemment Laurent Ruquier juste après. Un petit mot avant la dernière pub, pour vous dire que vous souhaitez assister à l'émission On va gêner sur Europe 1 au studio Merlin, c'est très simple. Pour ce faire, il vous faut appeler le 01 47 23 18 04. Une pub, Laurent Ruquier et moi, à tout de suite sur Europe 1. Pour la dernière fois de l'après-midi sur Europe 1, car ils reviennent évidemment dès lundi, on retrouve Laurent Ruquier, ses complices, pour la fin et la suite d'On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pompon. Bonjour Monique. Bonjour. Depuis mercredi, j'ai repris goût au cinéma. Bien sagace ces jours-ci. Grâce à qui ? Still Walking, de Kore-eda, un japonais que j'ai honte de le dire maintenant, mais je ne le connaissais pas. C'est tout simplement la vie d'une famille qui se réunissent une fois par an, excusez-moi, pour évoquer le souvenir du fils qui est mort. Et la mère fait des plats comme pour combler le vide. C'est très beau, drôle et tendre, et ça déclenche. Ah, oh bah dites donc, là, vous allez nous donner un coup de blues, Monique. Oh, c'est la vie, c'est magnifique. C'est juste un très grand film. Still Walking. Ouais, alors, ça marche pas très bien, Still Walking, et c'est vraiment dommage parce que, comme vous l'avez entendu, c'est un film extrêmement émouvant. C'est. Et puis là, en temps de crise, on a envie d'y aller. Hein. Non, mais justement, c'est vrai que c'est plutôt tendre que de la franche rigolade, mais on en sort pas du tout. Là, Monique, elle est un peu émue parce qu'elle se souvient peut-être de choses personnelles, j'en sais rien. Comme mais c'est souvent c'est le cas dans ce genre de voilà, film. Voilà, c'est ce genre de film vous fait. On a toujours l'impression qu'il est écrit pour vous. Est-ce que vous avez vu le film d'Eli Chouraki, Celle que j'aime, avec Barbara Schultz, Marc Lavoine et Gérard Darmon? Eh ben, je vais vous dire une chose. Je demande pardon au cinéma français. Qu'un film pareil ait été fait en France, c'est une honte. Oh, pas pour la petite Barbara Schultz qui est mignonne. Elle est mignonne, mais la pauvre, justement. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans cette horreur? C'est un film qui, soi-disant, doit dénoncer les familles recomposées. Celle-là, c'est une famille décomposée. C'est absolument honteux. Et j'ai plein de petits garçons du film qui est un petit monstre. Un autre film français dont on parle beaucoup, évidemment, puisqu'on a vu et entendu un peu partout Audrey Tautou, la nouvelle Coco Chanel, ou plutôt Coco avant Chanel, puisque c'est le titre du film, réalisé par Anne Fontaine. Eh bien, elle est tellement
avant Chanel qu'elle n'y est plus. C'est-à-dire Coco n'y est pas là. Ah, ah bon, c'est, d'accord. Ça vous plaît pas? C'est bien fait, mais non, mais ça plaît à qui? C'est bien fait, c'est bien léché, mais c'est fadasse. Sur les, une couturière comme ça, comme Chanel, elle avait dû quand même avoir une vie formidable et pas cette vie de gnangnang, là. Alors Coco, qui est très bien jouée par Audrey Tautou, qui est toujours formidable, elle couche beaucoup, mais elle couche jamais. Et du coup, elle devient une grande, je sais pas quoi, couturière. Et alors, il faut sauver quelqu'un dans le film. C'est Benoît Poelvoorde. Il est génial. Alors pour lui, peut-être qu'on ira. Voilà. Isabelle. Mais c'est surtout, c'est un curieux choix, parce qu'effectivement, Coco avant Chanel, c'est étrange. C'est-à-dire que pour ceux qui voient un peu comment a vécu Coco Chanel, ça, le film s'arrête au moment de la mort de Boy Capel. Mais Gérard Rey aussi était Coco avant Chanel. C'est-à-dire que... c'est la suite, c'est Coco. Bon, c'est très bien. Donc en fait, c'est vrai que quand on connaît Coco Chanel, quand on connaît un peu Chanel, enfin ce qui est devenu la maison de couture, tout ça, on a envie de voir le reste. On a envie de voir quand elle commence à être connue, comment elle va avoir. Il y aura un autre film d'ailleurs, etc. Avec Anna Mouglalis. Voilà, qui va sortir à Cannes, enfin qui va faire la clôture de Cannes et qui est un film de Yann Kounen, mais qu'on n'a pas. Mais là, ce sera Coco pendant Coco. Et c'est dommage parce que quand même Anne Fontaine, c'est une excellente réalisatrice. Et oui, tu as raison. Et il n'empêche que effectivement, pour Benoît Poelvoorde et aussi pour la façon dont Coco Chanel façonne les robes, parce qu'on voit ça, c'est-à-dire comment d'un seul coup elle a l'idée de faire autre chose que des robes à corset. Ça, c'est très très bien. Parlez-nous, Monique, de Zac Efron, la nouvelle coqueluche des adolescentes. 17 ans encore, on l'a vu partout lui aussi, le petit acteur américain. Il a un peu plus de 17 ans en vrai, il en a 20 ou 21. Mais il joue dans ce film 17 ans encore. Bon, c'est quand même... Ça commence par l'histoire d'un homme, Mike, 40 ans, divorcé, qui a plein d'emmerdes de tous les côtés. Paf ! Il revient à ses 17 ans. Alors évidemment, tout d'un coup, il se réveille, il a 17 ans. Et c'est extrêmement amusant, c'est amusant. Parce qu'évidemment, il arrive des trucs incroyables. Il voit sa femme, ses enfants, et qui eux sont toujours, ils le reconnaissent pas, un gamin de 17 ans. C'est bien, moi je trouve que c'est bien. C'est un peu trop gros, évidemment. Bon, ça marche vachement bien, 17 ans. Ah bah j'imagine, là, c'est les vacances scolaires, tout le monde va aller voir Zac Efron. Voilà. Même Pierre Ménichoux est allé les voir parce qu'il croyait qu'ils étaient deux, rappelons-le. Zac Efron dans 17 ans encore. Le secret de Lily Owens. Alors là, bon, c'est un film que je ne connais pas bien, je dois dire. C'est avec Queen Latifah et Dakota Fanning. Jennifer Hudson. Très bien. Et Alicia Keys. Et c'est très beau à voir. Ah oui ? Ah ben oui, moi j'ai trouvé ça très bien. Très bien. C'est un peu cucu la praline, mais c'est très mignon. C'est dans la nature très bien filmée du sud des États-Unis en 1964. La petite Lily Owens. Dakota Fanning, elle s'enfuit de chez elle avec sa nounou noire qu'elle adore. Elle se réfugie chez deux noirs qui sont dans une maison où elles élèvent les abeilles. On voit beaucoup, beaucoup les abeilles, mais c'est paisible. Moi, ça m'a fait du bien. Et Gérard, tu sais qui c'est, Queen Latifah ? Non, pourquoi ? Non, pour rien. Comme ça, je peux t'expliquer qui c'est, si tu veux. Explique-moi, oui, vas-y. C'est une rappeuse très connue. C'était allé au début du mouvement hip-hop. Ouais. C'est une rappeuse qui a maintenant fait une grande carrière au cinéma. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Je suis ravi d'apprendre. Ça, c'est bien, ça. Merci beaucoup. On retiendra votre émotion à parler du film Still Walking. Vous avez certainement donné envie à de nombreux auditeurs d'aller voir Still Walking, film japonais. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? Still Walking. Still Walking. On prononce pas le L. Écoutez, m'emmerdez pas, Gérard. Hein. Et 17 ans encore avec Zac Efron, un film pour les adolescents qui peuvent peut-être aller voir ça en famille, pourquoi pas. Et pourquoi pas même pour le côté, on va dire, paisible de ce film. Et puis l'affiche, Queen Latifah, que Gérard Miller vient de découvrir. Dakota Fanning, Jennifer Hudson et Alicia Keys, Le secret de Lily Owens. Il semble qu'on puisse oublier Coco avant Chanel. Non, on n'oublie pas complètement. Non, faut pas exagérer quand même. N'abandonnez pas votre totou ce week-end, donc. C'est encore possible d'aller voir Coco avant Chanel. On vous souhaite sur Europe 1 un bon week-end. Oh, des petits conseils avant de partir quand même. Tiens, il y a un zoo. C'est rare quand on parle des zoos. Je sais que Gérard adore ça. Il y a un zoo qui me dit, oui, on parle jamais de nous. C'est le zoo de Beauval. Il paraît que c'est un des 15 plus beaux zoos du monde. Il y a des kangourous. Il y a 4000 animaux. Je m'entraîne. 4000 animaux. C'est un des plus extraordinaires zoos d'Europe. C'est à 2 heures de
de Paris, à une demi-heure de Tours, après les châteaux de la région centre, c'est-à-dire Chambord et Chenonceau. Le zoo de Beauval voulait qu'on leur fasse un clin d'œil, c'est fait. Je signale aussi au théâtre Essaillon, et là, je vais tester la culture générale des uns et des autres. On joue, ou plus particulièrement, Xavier Lemaire et Isabelle Andréani jouent « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée ». Musset. Bravo Alfred de Musset, c'est gagné Gérard Miller, vous reviendrez la semaine prochaine. Voilà. Je suis gêné là. Presque. Moi j'avais joué dans les caprices de Marianne. Je suis presque honteux. Hein. j'ai déconné encore. Pas dans celle-là, j'ai joué dans les caprices de Marianne, j'ai pas joué dans cette pièce. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, je vais fermer la porte justement de cette émission, on se retrouvera lundi à 16h. Évidemment, rendez-vous lundi 16h. C'était Laurent Ruquier et ses complices. Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.